Je sais plus ce que ça fait dans la profession là. Alors attends, par contre, descend en fait, parce que on va prendre plutôt le panneau. C'est un peu moins débile. Ok. Et c'est au village. Clac, bon bah contrat. Normalement censé être rapide sur le plan, mais ça me rappelle que sur le jeu, il faut faire attention à quel ennemi tu affrontes. Oui, je rengaine, t'inquiète pas. À quel ennemi on affronte, quelles sont ses faiblesses, tout ça, machin et tout, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et puis là, typiquement, l'ennemi, on peut pas le tuer si on ne l'affaiblit pas. Sur cet ennemi-là, donc, du coup, faire vachement attention. Hop, on s'est mis juste un coup de croix et puis ça ramasse. Ça c'est cool. Ok. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose ? Je connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle ? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous, alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Gâtez votre or pour votre fille. Si j'ai besoin d'or. Hein. Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais... Et si on m'avait dit que je donnerais une dot à un sorceleur ? C'est une drôle d'époque, non ? Enfin, une triste époque, plutôt. Mais non. J'ai le droit ? Oui. J'ai le droit. C'est bon, ça. Normalement, il y a marqué voler en tout petit, en fait, genre, si c'est vraiment du vol, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me méfie. En général, quand en endroit où c'est pas volé, tout le reste de la maison, c'est pas volé, quoi, tu vois. Donc du coup, je peux m'affairer à tout piller généreusement et volontairement. Évidemment, les petits florins sur la monnaie du jeu. Oula, il avait tellement de trucs, lui. Ça valait le coup, hein. Merci pour la quête, hein. Au passage, ça fait de l'XP en plus. Parler à Vezemir, je parie, ouais, c'est ça. À chaque fois, je me trompe de touche, c'est terrible. Vous l'avez déjà remarqué, je suppose. Donc du coup, quête secondaire, il n'y a plus que le truc de Gwent. Là, les contrats, c'est fini. Donc, on va terminer le contrat du Griffon. Chut, clac. Et du coup, c'est où, ça? C'est nulle part. Ah, mais parce qu'il faut faire l'autre quête, à mon avis. Je pense qu'il faut parler à Vezemir. Ça y est, c'est le moment. Enfin, Vezemir, ça fait 40 ans qu'il m'attend, le mec. Bon, ça va, il est à l'auberge, il ne voulait pas trop languir, comme on dit. Ok, bon, c'est à côté, on va y aller à pied. Hein. Ah, ça me fait plaisir de revenir sur ce jeu, franchement. Il m'avait manqué. Allez, les émirs, bébé. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? Des informations sur le griffon, j'ai trouvé... Le nerprin. J'ai trouvé le nerprin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème.
C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Ok. Nickel. Et pourquoi tu es préparé à affronter le griffon concoctant la potion? D'accord, ok, il m'oblige à... Ok, ok, d'accord. Blablabli, blablabla, il me réexplique tout, hein, alors qu'il vient de me l'expliquer, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je fasse quoi, du coup? Attends, j'ai pas envie de faire de bêtises. Ah, utiliser pour sélectionner une formule tonne. Ok, d'accord. Et c'est lui qu'il faut que je craft. Utiliser hein, pour sélectionner l'onglet inventaire. J'ai récupéré plein d'épées à la con. plus 2 et il faut la réparer. Ok, donc elle est mieux que celle que j'ai effectivement. Et tout le reste c'est de la merdasse. J'ai même des armes pétées sur moi. Ok. Les bottes sont mieux. Plus 6. Le pantalon plus 3. Plus 6 légendaires. Pantalon de chasse. Bottes de chasse. Armure de Kaer Morhen. Armure intermédiaire, gantelet de chasse. D'accord, ok. Ok, ok. Et ça, c'est un kit de réparation. Très bien. Là, je crois que je peux quitter l'inventaire. Je fais quand même juste ça histoire qu'il n'y ait plus de trucs qui m'embêtent. Voilà. Artisanat, j'ai quand même pas mal à récupérer pas mal de conneries. Alors qu'on est qu'au début du jeu, hein, vraiment, tu vois, j'ai déjà tout ça. Après, je paye tout, moi, hein, donc forcément, voilà, au bout d'un moment, ça monte. Hein. Et on a, du coup, on a ça. Je peux pas changer d'onglet, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, le jeu? Je me suis concocté une potion, donc il va falloir la boire, je suppose. Tonnerre. Ah non, faut que je la... D'accord, faut que je la place pour pouvoir la consommer. Avec modération, comme on dit. Ok. Alors du coup, je vais juste retourner à personnage, parce que dans personnage, on peut mettre... Oui, 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 blablabla. Hop. Voilà. Vitalité plus 50. Ah ouais. Oh, il est sympa ce premier mutagène. D'accord, genre ça donne des bonus si... d'accord, si c'est de la même couleur. Ok. Et on est niveau 3 d'ailleurs, donc on doit avoir un... J'ai pas fait gaffe, mais on doit... Oui, effectivement, on a un point. On pourrait peut-être le mettre du coup dans le vert, histoire de... Monde de 50%... 60% le seuil de... Surdose, mais on s'en fiche de ça. Est-ce que vous blessez l'ennemi avec une... Une huile. 100% de chance d'empoisonner. Est-ce que vous essayez pour. Son bombe. Ok. Chaque formule chimie. Le niveau 1 commune augmente. Ok. Ouais, là, il n'y a rien de. Qui m'intéresse à fond. Monte la vitalité max de 15%, tu vois, par contre, ça. Ça m'intéresse un peu plus. Voilà. Prenons les classiques au début du jeu, déjà. Genre la vitalité et conneries, quoi.
typiquement le coin aussi de l'améliorer, donc faut que j'y pense. Je vais d'ailleurs l'activer tout de suite. Comme ça au moins. Ah oh, bah je le mets en plus, c'est vrai que je peux le poser. Les frères ne voudront jamais me croire. Ok. Allez voir Vezémir, du coup c'est à 100 mètres, bon on va y aller à pied. Hein. Quoique j'ai la flemme. Allez viens la bête. Hop. C'est à gauche qu'il faut que j'aille là. Enfin, c'est tourné. Ok. Ah, ça évite à cheval là. Voilà. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allez. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ok. Pour ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Comment ça? À l'arbalète. Une arbalète? Je l'ai gagné au cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Que tu étais traditionnaliste. Alors comme ça tu joues aux cartes. Tiens, tiens, tiens. C'était pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu. Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Comment je... Ah, comme ça. Ok, d'accord. Donc c'est R1. D'accord. Ah putain, mais il faut que je lock ma cible, mais je sais plus comment... Ah, voilà, comme ça. Sandwich. Oh putain. Oh, je l'ai vu venir en plus, mais... Merde. Comme ça, ok. On m'appelle la traillette. Et je vais le toucher à force. Hein. Merde, j'ai tiré sur le cheval. Et là là! Saligo! Quoi? Ah d'accord. Il est où mon cheval?
Elle est là. Allez, putain, ça fait 40 ans que j'appuie sur croix là. Voilà. Des petites celles qui se ferment automatiquement. Bien joué, ça, Eden. Elle a mis la même touche pour courir que pour. C'est un peu con. Il a mis la touche, je crois. Mais ça fait 40 ans que j'essaie de sauter de mon nom. Mon cheval, mais il veut pas quoi. Dans le cul, tu lui fais pas de dégâts en fait, d'accord. Ah, ici, je vais attendre que mon coin y revienne. Ah. Nickel, ça, on peut le fouiller? Non, okay. Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Oh oui. Oh oui. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. Ça va, je m'en suis sorti quand même. Ah, quand même. Hop là! Ok. What? D'accord. Cette saloperie. Alors il me semble que si je fais ça, ça suit la route. Attends, mais ça m'amène ici, mais what? Oh! Allez, saute. Hop. En fait, je sais pas du tout si j'ai avancé la carte ou pas, parce que je croyais avoir tout fait. Mais que dalle, en fait. Pourquoi ça m'indique pas tout? Par défaut, général. Quête. Putain, j'ai rien fait en fait. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire, j'ai rien fait en fait. Putain, mais en 4 épisodes, je me suis. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, il est plus ici, il doit être là. Oui, alors. Voilà. On va en profiter vu que c'est des spectres. On va prendre un petit. C'est pas comment? Yarden? Voilà. Allumer les torches. Voilà. Genre ça. Allez. Oh. Bon, allez, flemme. Hop. Ça marche pas très bien, on va dire. Ah, des gants. Sûrement des gants meilleurs que les miens. Et on a chopé une quête au passage. Donc on est très très loin d'avoir fini la zone en fait. Moi je croyais que on était bien, mais j'ai l'impression d'être vraiment au tout début, que ça n'a pas sauvegardé ou que j'ai l'impression que j'ai refait quelques petits trucs que j'avais déjà fait là. Bon après bon, j'espère pas, mais bon. Bon après c'est pas grave. Hein. Je suis peut-être trompé de game. Hein.
Tout ce qui est armure de chasseur, je vais les garder, je pense, parce que... ...10% de chance de... ...démembrer, et ça c'est quoi? Bonus de d'espérance en tuant. Ok. Hop. J'ai un nouveau mutagène. Ah non, c'est lui, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Sélectionnez l'onglet équipement et sélectionnez une pierre rune. Avec. J'ai envie de regarder quand même dans mes sauvegardes parce que j'ai vraiment l'impression que. Gunnerine. Intensité du signe. Attends, parce que j'ai de nouvelles épées, donc peut-être qu'elles sont meilleures que... Voilà, typiquement. Donc 9... Ah bah encore mieux, là, voilà. Ça va être important d'essayer de faire attention de toujours avoir un équipement adéquat. Voilà, comme ça, moi, je mets pas une rune sur un équipement qui va... que je change juste après, quoi. Soyons un petit peu malins. Hop, vitalité 4300... Putain, ça fait beaucoup, hein. Alors, par contre... Je vais juste aller sur ma chaîne vite fait sur mon téléphone et vérifier là où j'en étais parce que là j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Ah non, là on a tué le griffon alors que j'avais pas tué l'infant, on avait juste traqué, d'accord. Ok. Sacré vent. Ouais, ce que vous avez vu, c'était rapide. Mais du coup, ça c'est quoi? Je sais plus ce que ça fait. Attends, mais faut que je reste appuyé encore. Hein. Ouais. Vous avez gagné un point de compétence. Ah ouais! Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Super important les gens, des trucs comme ça en fait. Personnage. Eh ouais, du coup, j'ai un point. Pourtant, je suis toujours niveau 3 et j'ai un point de compétence. C'est cool ça. Est-ce que je peux mettre un point en plus là-dedans, là? Niveau suivant, lorsque votre bouclier de Quan est détruit, son explosion repousse les ennemis et leur inflige des dégâts. Regain de vigueur en combat, plus 1 par seconde. Je vais utiliser pratiquement que ce signe-là, donc je vais te dire que... Voilà quoi, ça va pas traîner, hein. Ok.